juge dans les 7 ans date. Thank you. Let me need that. Yes. Thank you. Thanks. Bon après-midi, mesdames et messieurs. Je représente le département de l'information. Cette semaine, du lundi au vendredi 14 octobre, nous commémorons la semaine de l'Afrique organisée chaque année autour de l'Assemblée générale et son débat sur l'Afrique pour harmoniser les travaux des Nations unies et le NEPAD pour le développement en Afrique. 5 bureaux, l'agence du NEPAD pour l'Union africaine, le bureau du conseiller spécial pour l'Afrique, la commission économique pour l'Afrique, le mécanisme de paix pour l'Afrique et le département de l'information ont préparé un programme d'activité pour cette semaine, y compris ce communiqué de presse. Le secrétaire général Abdelaziz est parmi nous. Le docteur Ibrahim Mohabi du NEPAD et le président de la commission de l'Union africaine se joindra à nous prochainement. Il y a également le représentant du secrétariat du mécanisme des pairs et le secrétaire adjoint de la commission économique de l'Afrique. Chacun fera des remarques liminaires sur les travaux et questions abordées durant le débat général de l'Assemblée consacrée à l'Afrique. D'abord, le sous-secrétaire général, M. Abdelaziz. Merci beaucoup, Margaret. Je remercie les participants à notre réunion. Comme vous venez de le dire, les organisateurs sont très heureux d'être ici pour faire part de leurs réflexions durant cette semaine pour l'Afrique, dont le thème porte sur les partenariats, car les partenariats deviennent très importants dans le contexte du programme 2030 des Nations unies et de 2063 de l'Union africaine. Les organisateurs ont voulu se concentrer sur la façon de renforcer ces partenariats dans le cadre de la mise en œuvre de ces deux programmes importants et en tenant compte des trois piliers des travaux des Nations unies, paix et sécurité, développement et bonne gouvernance et état de droit. S'agissant des partenariats, nous reflétons l'approche axée sur l'être humain suivie par l'Union africaine et les Nations unies et on se concentre davantage sur les partenaires extérieurs. Partenariat veut dire un développement inclusif avec la participation de la société civile, du secteur privé, de tous les secteurs de la société et cela veut dire également les partenariats extérieurs. Donc, les partenaires traditionnels, tels le Japon, les États-Unis, l'Union européenne, la Corée et d'autres, et les nouveaux partenaires émergents, le Brésil, l'Inde, la Chine. Et voilà pourquoi nous nous sommes tournés vers les différents représentants et experts. Le but étant de voir comment utiliser les ressources financières mises à disposition de ces partenariats pour recentrer cela sur la mise en œuvre des deux programmes et les projets ambitieux. Pardon. Et ceci afin de contribuer à la mise en œuvre. En ce qui concerne la paix et la sécurité, il s'agit de donner
un meilleur élan à l'alerte rapide, à la consolidation de la paix, au maintien de la paix, aux activités économiques, l'AFSA, de l'architecture de paix et de sécurité africaine pour atteindre les objectifs de 2020. Le Conseil de sécurité l'a déjà inclus dans la déclaration présidentielle de 2014, priant le secrétariat de préparer un plan pour la répartition 2020 des tâches et des responsabilités. Des mesures très ambitieuses ont déjà été prises. 25% du projet de paix serait contribué au budget de paix de l'Afrique. En ce qui concerne le développement social et économique, il s'agit de trouver les fonds nécessaires pour compléter les mobilisations de ressources intérieures, qui est une démarche appliquée dans l'ensemble de l'Afrique. Une autre décision hardie a été prise en prélevant 2% de taxes pour le développement durable en Afrique et pour appuyer les plans et projets nationaux de gouvernance, pour appuyer l'architecture du gouvernement et le soutien au DPRM sont tous deux très importants. Et nos orateurs vous en parleront plus avant, j'en suis sûre. Je remercie le secrétaire général adjoint, M. Makai, le représentant du NEPAD. Merci beaucoup. La semaine pour l'Afrique est un moment très important pour nous, car ceci permet à l'Afrique et à l'ONU de se concentrer sur les questions critiques associées aux défis de développement du continent. Et je souhaite féliciter l'ambassadeur Majid d'avoir réuni les conditions pour que cette semaine soit particulièrement utile. Je vous parlerai d'abord des ODD et du programme à l'horizon 2063. Les ODD ont une dimension universelle. L'Afrique est la seule région qui avait adopté une position commune dans le cadre des négociations sur les ODD en matière de capacité potentielle pour relever le défi le plus important pour nous, à savoir les jeunes et l'emploi. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme 2030 et du programme 2063, les partenariats deviennent un instrument très critique, car ces partenariats vont nous permettre non seulement de renforcer les capacités de mise en œuvre, mais également de considérer la dimension financière. Nous avons eu le programme d'Addis Abeba sur le financement du développement, qui comporte des instruments très spécifiques pour la mise en œuvre des ODD dans le Sud. En ce qui concerne le programme 2063 appliqué par le NEPAD en tant que bras technique de l'Union africaine, ce programme comporte des aspirations et objectifs conformes au programme 2030, mais intégré dans nos plans nationaux afin de suivre de manière accélérée le programme 2030. Mon point suivant porte sur le suivi et l'évaluation. Les partenariats seront importants non seulement pour la mise en œuvre, mais pour le suivi et l'évaluation. Les rapports sur les ODD au Niger seront différents de ceux de l'Australie. Toutefois, il nous faut des cadres communs qui ne peuvent être définis que sur la base de partenariats sains. En tant qu'institution d'exécution de l'Union africaine, nous devons veiller à ce que le programme 2063 et le programme 2030 soient appliqués de façon cohérente. Deuxièmement, que les capacités sont réunies pour assurer une bonne mise en œuvre.
Et troisièmement, veiller à ce que les engagements de la communauté internationale soient tenus. Et je citerai un exemple en ce qui concerne le fonds grec, l'adaptation au climat, en ce qui concerne ce qui a été convenu, le fonds vert, pour accélérer les politiques d'adaptation. Donc, tous ces objectifs doivent être atteints et il faut donc créer des partenariats efficaces et nouveaux. Le représentant de l'Union africaine a la parole. Merci beaucoup. Tout d'abord, je voudrais m'associer à ce qui a été dit par le représentant du NEPAD et dire tout simplement que nous sommes réellement reconnaissants au secrétaire général adjoint et au conseiller spécial du secrétaire général, M. Majid Abdelaziz, d'avoir organisé cette semaine de réunion importante pour l'Afrique. Je voudrais revenir sur deux points de ce qui a été illustré de manière éloquente. C'est un moment important pour l'Afrique. Pour la première fois, si mes souvenirs sont bons, dans le contexte du développement, qu'au plan mondial, régional et même au niveau national, on dispose d'un programme cohérent qui pourra être mis en œuvre. Les ODD, le programme 2063, développé à partir de la base. Et c'est une occasion exceptionnelle qui nous est offerte. Nous pourrons continuer de jouer notre rôle de plaidoyer, de créer des partenariats. Cela est extrêmement important pour nous, surtout les partenariats. Commençons par l'ONU. Nous avons des programmes avec l'ONU, des arrangements de coordination et autres. Nous travaillons avec l'ensemble du système de l'ONU et le secrétariat de la communauté économique pour l'Afrique, la Commission économique pour l'Afrique. Et ceci pour veiller à ce que nous soyons unis dans l'action. Et nous voulons appuyer le programme dans le cadre de l'ONU, dans le cadre du renforcement des capacités sur 10 ans, qui sera appuyé également par le nouveau programme d'intégration et de développement de l'Afrique. Au-delà de l'ONU, nous travaillons avec des partenaires stratégiques sur ce thème. Et nous avons un programme que nous exécutons. Il ne s'agit plus de voir un partenaire vouloir nous aider sur la base de son choix. Non, il s'agit de voir quelles sont les nécessités, les avantages comparés. Et tout cela est très important pour nous. La deuxième chose que nous avons examinée, ce sont les synergies des programmes proprement dits. Les besoins. Si on regarde les problèmes de gouvernance ou de développement, l'un ne peut pas dépasser l'autre. Tous doivent être appliqués au plan interne, mais bien sûr, nous avons des séquences et des priorités. Ces priorités vont souligner que nous avons un programme commun de suivi et d'information, et ceci sera utile. Car nous devons les uns et les autres rendre des comptes. Et c'est une occasion exceptionnelle qui s'offre au continent. Nous sommes ici pour forger des partenariats et nous espérons que ce processus accordera plus de partenaires à l'Afrique. Car en ce qui concerne cette question, l'Afrique est un endroit de croissance dans le monde et la croissance n'est peut-être pas aussi rapide qu'on l'eût souhaité, mais
et demeure modeste, mais l'Afrique continue de connaître de grands défis de développement. Et cet accent est important pour nous, pour nous transformer, pour rendre l'Afrique efficace et continue de contribuer aux solutions mondiales. Je vous remercie. Now I'd like to call on. Merci, M. Wencha. Je donne à présent la parole au professeur Eddy Moloka, PDG du secrétariat du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Vous avez la parole. Merci beaucoup, madame. Je m'associe au vice-président de la commission. Je m'associe également au PDG de l'agence du NEPAD pour féliciter le secrétaire général adjoint et conseiller spécial pour l'Afrique de l'excellente organisation de cette semaine de l'Afrique. Je salue également le thème de cette semaine qui est très important. Il tombe à point nommé. Nous parlons des partenariats en Afrique, mais maintenant dans un contexte différent. À l'époque, en Afrique, on parlait de partenariat dans un mode de pensée bien circonscrit. Or, aujourd'hui, nous parlons de partenariat plus large avec les Nations Unies ici. Et donc, l'Afrique essaye de réexaminer ses relations avec le monde extérieur, notamment avec les Nations Unies. Nous sommes très heureux de voir que les Nations Unies aient défendu cette notion africaine de partenariat dans le cadre de l'autonomie et du renforcement de l'Afrique. En ce qui concerne le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, je suis très heureux des commentaires que nous avons reçus. Différentes réunions ont été organisées par mes collègues ici, en présence de différents acteurs, notamment des agences des Nations Unies, des programmes de l'organisation. Nous sommes très heureux de voir que l'on reconnaît que le mécanisme d'évaluation par les pairs est un organe essentiel qui a un rôle à jouer sur le continent africain. Comme vous le savez, nous sommes une agence spécialisée de l'Union africaine. Nous avons la responsabilité de coopérer avec les États membres pour développer et renforcer la gouvernance au niveau national. Pour l'instant, nous avons 35 États membres. La Namibie est en train d'adhérer également à notre organisation en tant que 36e État membre. Nous examinons les pays. Nous avons déjà examiné le Sénégal et le Tchad cette année. Au cours des prochains mois, avant la fin de l'année, nous procéderons à l'examen du Kenya et du Soudan. Ces examens sont ensuite débattus par les chefs d'État lorsqu'ils se réunissent au sommet. Ce sera le cas en janvier. Alors, les dirigeants peuvent discuter entre eux des différents résultats et voir comment améliorer la situation. Nous pensons que c'est un atout propre au mécanisme africain d'évaluation par les pairs. C'est également une contribution au discours sur la bonne gouvernance en Afrique. En effet, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs repose sur le principe de recommandation et d'appui entre pairs et d'évaluation autonome. Le pays s'auto-évalue et ensuite prépare ses propres réponses aux problèmes que le pays a lui-même recensés. Nous, nous coopérons avec ce pays afin de trouver un consensus sur la façon d'appuyer au nom du continent ce pays dans la lutte contre ces écueils. Vous savez que la gouvernance est capitale, la gouvernance est nécessaire pour atteindre les objectifs de nos deux programmes. La gouvernance a été indiquée comme étant essentielle dans l'agenda 2063 et dans le programme à l'horizon 2030. Nous pensons que la gouvernance a une triple signification pour ces programmes. Tout d'abord, la gouvernance est une cause, parce que bon nombre des problèmes de notre continent viennent d'un problème de gouvernance. Mais la gouvernance est également un tremplin pour aider les pays. Lorsque des institutions fonctionnent, lorsqu'il y a des infrastructures dans le pays peut avancer. L'absence de gouvernance peut être un problème. Le président Museveni l'a souligné lors du dernier sommet sur l'évaluation par les pairs. Il faut préserver l'élan en avant des pays. Le message que nous avons reçu ici de nos homologues lors de notre participation à cette semaine était qu'il fallait renforcer le mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Il faut préserver cet élément de discussion entre pairs. Il faut que nos États se donnent davantage de recommandations sur la façon d'améliorer la situation dans leurs pays respectifs. Notre message a également été le suivant. Ne créons pas de doublons dans les efforts en matière de gouvernance en Afrique. N'essayons pas de créer des chevauchements en ayant trop d'acteurs, trop d'agences qui traitent de la gouvernance. Essayons d'utiliser plutôt le mécanisme africain d'évaluation par les pairs parce que ce mécanisme appartient aux pays. Les États ont leurs propres mécanismes nationaux qui coopèrent pour dégager des résultats au niveau continental. Donc plutôt que de créer des chevauchements et une concurrence, il faut coopérer.
Parfois, nous avons beaucoup d'agences qui travaillent dans le même domaine sur le continent. Et le risque est alors que parfois, certains voient la gouvernance comme un phénomène imposé de l'extérieur. Ici, l'avantage du mécanisme est qu'il travaille à l'intérieur. Il repose sur un processus d'appropriation, d'auto-évaluation. Donc, les États n'ont pas l'impression de se voir imposer un modèle. Ce processus leur appartient pleinement. Une nouvelle fois, je profite de l'occasion pour remercier le secrétaire général adjoint de nous avoir invités. Et je fais remarquer que les Nations Unies ont été un partenaire essentiel du mécanisme d'évaluation. Depuis la création du mécanisme, la Commission économique pour l'Afrique est un partenaire essentiel, tout comme le PNUD. Donc ce sont en fait des copropriétaires du mécanisme et nous les remercions de leur soutien. Merci, M. Malocco. À présent, je donne la parole à M. Abdallah Hamdok, secrétaire exécutif adjoint de la Commission économique pour l'Afrique. Merci beaucoup, Madame. Permettez-moi tout d'abord d'aligner mes commentaires sur ceux qui ont déjà été prononcés ici à la tribune. Je remercie mon frère et mon ami, le docteur Maïd, de son rôle de chef de file. Merci d'avoir organisé cette semaine. Chaque année, nous réunissons ici à New York pour parler des problèmes de l'Afrique. Je crois que le choix du thème de cette année, renforcer les partenariats pour le développement durable et inclusif, la bonne gouvernance, la paix et la stabilité en Afrique, tombe à point nommé. Ce thème est pertinent. Nous nous réunissons aujourd'hui, un an après une année 2015 exceptionnelle où le monde a collectivement approuvé différents programmes, à commencer par le programme d'action d'Addis Abeba lors de la troisième conférence internationale sur le financement du développement, ce qui nous a donné un cadre pour le financement du développement. Ensuite, nous avons adopté les ODD en septembre ici à New York et l'année s'est terminée par cet excellent accord relatif au dérèglement climatique. Nous en sommes à la première année d'application, c'est une année de transition. Je pense que c'est une année de décollage qui devrait nous permettre de nous réunir pour remédier aux défis du continent en matière de développement. Si le développement est véritablement important, quelque part dans le monde, c'est bien en Afrique. Et donc nous sommes très heureux d'organiser cette semaine annuelle. Mes préopinants ont parlé de l'agenda 2063, du programme à l'horizon 2030. Le défi de notre continent est qu'il convient d'œuvrer à la mise en œuvre des deux programmes sans semer la confusion au sein de nos décideurs politiques. Je crois que c'est possible parce que ces deux programmes reposent sur ce qu'on appelle la position commune de l'Afrique, CAP, selon l'acronyme anglais. Lorsque nous avons parlé des ODD, lorsque nous avons préparé l'approbation de l'accord à l'horizon 2030, l'Afrique est sans doute la seule région du monde à avoir scellé une position commune qui a servi de base aux deux programmes. Donc je crois que ces deux programmes concordent. Il y a beaucoup de synergies, de points communs. Il y a eu beaucoup de travail qui a été consenti à l'harmonisation de ces deux textes et je crois qu'à présent nous pouvons avancer sur la bonne voie. Je pense également que le thème de la gouvernance a été choisi à juste titre. Vous pouvez régler les problèmes macroéconomiques, construire des infrastructures, vous pouvez lancer des politiques sectorielles, mais tant que la gouvernance n'est pas bien établie, le reste ne fonctionnera pas. Je crois que la gouvernance est une gageure de taille dans le discours sur le développement et dans tous nos débats. L'Afrique, comme le professeur Eddy Maloka l'a dit, a créé un mécanisme africain d'évaluation par les pairs qui est unique. Je crois qu'il faut l'appuyer. Ce mécanisme est là pour aider les États à dégager une bonne gouvernance sur le continent. Le seul instrument comparable est en fait l'examen par les pairs du comité d'aide au développement de l'OCDE, qui traite plutôt de questions techniques, environnement, transport routier, etc. Mais en fait, aucun pays au monde ne participe à un examen d'évaluation par les pairs interne aussi fouillé que celui de notre mécanisme. Et je crois que là, nous faisons un grand pas en avant pour régler les problèmes de gouvernance. La question du financement du développement est primordiale. L'Afrique doit bien entendu s'autofinancer. La responsabilité de mobiliser des fonds nous appartient. La mobilisation de ressources nationales est un problème de première importance. Mais nous aimerions également que nos partenaires tiennent parole et respectent les engagements pris en matière d'aide publique au développement
et autres. Le travail Capital, qui a été lancé par Thabo Mbeki sur les flux financiers illicites, est un élément à souligner. Auparavant, nous étions à 50 milliards de flux financiers illicites. À présent, on nous dit que les chiffres sont à plus de 80 milliards et ce sont des estimations très prudentes. Donc, nous devons coopérer avec le reste du monde pour régler ce problème des flux financiers illicites. Imaginez-vous ce que nous pourrions faire si ces ressources étaient mises à notre disposition pour édifier un continent plus solide. Ceux qui m'ont précédé à la tribune ont parlé en long et en large des partenariats. Les partenariats sont nécessaires. Cette année, nous sommes très heureux de continuer à coopérer avec nos partenaires sous les auspices de l'Union africaine afin de formuler une position commune de l'Afrique sur toutes les questions, qu'il s'agisse du commerce, du changement climatique ou d'autres domaines. Nous sommes également prêts à coopérer avec nos partenaires afin de renforcer les capacités de suivi et d'évaluation. Nous souhaitons avant tout améliorer nos capacités statistiques. C'est une priorité pour le continent africain. Comme le dit le slogan, si vous ne pouvez pas mesurer la situation, vous ne pouvez pas l'améliorer. Donc nous devons améliorer nos capacités statistiques, nous devons travailler sur des politiques de preuves ayant été vérifiées, nous devons améliorer nos capacités d'analyse. Et tout cela se fait grâce au secrétariat du RCM, qui est en fait l'appui de la famille onusienne à l'Afrique. Nous espérons pouvoir continuer en ce sens. Nous espérons que l'Assemblée générale donnera son feu vert pour que nous ayons à notre disposition une feuille de route qui organise véritablement ce partenariat. Je m'arrête ici. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Hamdok. Nous allons écouter les questions de l'assistance. Merci beaucoup. Je crois que je me suis rendu dans 3 des 4 pays que vous représentez ici. Soudan, Afrique du Sud, Kenya. Je ne suis pas allé au Niger. Et je suis allé en Égypte. Quoi qu'il en soit, comment allez-vous superviser vos activités et à quelle fréquence? Vous avez parlé beaucoup de bonne gouvernance. Comment régler les problèmes de bonne gouvernance, par exemple au Soudan ou chez vos voisins, pour ne donner que quelques exemples? Si il y a un bénévole pour répondre à ma question, n'importe qui d'entre vous peut prendre la parole. Merci beaucoup. J'ai oublié votre nom, mais j'imagine que vous avez vécu dans 4 de nos pays, assez divers d'ailleurs. En ce qui concerne le suivi de l'agenda 2063 ou du programme à l'horizon 2030, vous savez que pendant 15 ans, nous avons procédé à la mise en œuvre des OMD. Pendant 15 ans, nous avons essayé d'appliquer les OMD. Les OMD ont été approuvés en 2000, pour rappel. La date butoir était 2015. Tout au long de cette expérience, nous avons fait des rapports annuels sur nos accomplissements et nous avons supervisé la mise en œuvre des OMD. Cette expérience nous a aidés. Nous espérons continuer la même procédure grâce à des rapports annuels. Nous les préparons avec l'Union africaine et d'autres partenaires. En fait, à l'heure où nous parlons, le mois dernier, nous avons eu la possibilité de lancer un rapport intermédiaire des OMD aux ODD, sans oublier l'agenda 2063. Cela nous permettra de continuer d'établir des rapports annuels sur ces programmes. Vous connaissez l'agenda 2063 et le programme à l'horizon 2030. Il y a toute une série d'indicateurs dans ces programmes, ce qui nous permettra d'assurer un suivi au niveau national, mais même au niveau sous-national. En ce qui concerne la bonne gouvernance, je n'ai pas véritablement compris votre question, mais je dirais une chose. Ceux d'entre nous qui ont suivi le rapport publié récemment
par l'indice de gouvernance africaine Ibrahim. Nous avons là une évaluation assez exhaustive de la gouvernance en Afrique dans les 54 pays. Je crois que le message principal est le suivant. Au cours de la dernière décennie, de 2016 à 2016, la gouvernance en Afrique a progressé. De façon modeste, peut-être. En 2006, nous étions à 49. Et à présent, nous en sommes à 50. Donc nous avons une progression d'un pour cent sur cet indice de 100. Ce n'est peut-être pas suffisant, mais bien entendu, les progrès sont inégaux. Certains pays avancent de 5, 10 ou 15 points de pourcentage, alors que d'autres reculent ou avancent moins. Il y a quatre catégories, sûreté et prééminence du droit, droits de l'homme et participation, possibilités économiques durables et développement humain. Trois des catégories ont affiché des progrès. La seule catégorie où nous n'avons pas progressé est l'état de droit et la sécurité, et deux sous-catégories, la sûreté du personnel humain et la sécurité nationale. Je crois donc que globalement, l'Afrique avance. Mais la gouvernance est un sujet extrêmement compliqué. C'est l'histoire, c'est les traditions. On ne peut pas changer les choses du jour au lendemain. Il faut progresser petit à petit. Mais je crois qu'à ce stade, nous avançons lentement mais sûrement. Bien entendu, ce chemin est semé d'embûches. L'espace réservé à la société civile, etc. pose problème, mais nous allons de l'avant. Je vais ajouter quelques mots à ce qui a été dit par mon collègue. L'agenda 2063 et les ODD ont été avalisés et comme cela a été dit, si on ne mesure pas la situation, on ne peut pas l'améliorer. Dans la conception de ces programmes, nous avons élaborer tous ces objectifs. Outre les objectifs, nous avons par exemple dans le cadre de l'agenda 2063 identifié les capacités dont nous avons besoin. En fait, nous avons réalisé une analyse rapide et nous avons essayé de préparer des outils d'atténuation des différents risques. Nous avons également établi un cadre institutionnel pour voir quelle institution était responsable de la mise en œuvre des différents objectifs. Et à présent, nous allons faire rapport dans le cadre du mécanisme. À l'avenir, nous n'allons pas avoir autant de cadres d'établissement de rapport. Nous avons un rapport qui sera publié. Il y a, bien entendu, des éléments dans ce rapport qui pourront être utilisés par l'Union africaine, les Nations unies ou d'autres partenaires dans des domaines intéressants. Nous essayons d'assurer suffisamment de cohérence, mais également une planification commune et une redevabilité conjointe. En ce qui concerne les indicateurs, nous les avons par exemple répartis sur 10 ans. Et à présent, nous allons même plus loin avec des programmes sur 4 ans, des programmes sur 9 ans. Certains des programmes ont déjà été rédigés. Nous avons donc une stratégie de mise en œuvre. Nous avons différents programmes d'application. La gouvernance est une question sempiternelle. Il faut toujours avancer sur cette voie. Nous pouvons toujours en faire davantage. Il y a d'autres domaines dans lesquels nous avons engrangé de bons résultats. En ce qui concerne l'examen par les pairs, il est important d'avoir un mécanisme où nous puissions échanger les meilleures pratiques. Nous ne pouvons que continuer à progresser. Je ne pourrais pas citer un pays qui pourrait dire qu'il a terminé ce travail. Certains pays avancent plus rapidement que d'autres, mais la volonté d'aller d'avant est bien là. Merci. Merci. Je suis Abdelhamid Sayam, Daily Arabe, quotidien arabe. J'ai une question à poser au vice-président de la Commission de l'Union africaine. Ma question porte sur la paix et la sécurité. Comment évaluez-vous l'expérience de l'Union africaine dans le maintien de la paix?
certains conflits font encore rage sur le continent, au Darfour, au Soudan du Sud, entre l'Érythrée et l'Éthiopie, au Mali, ailleurs. Êtes-vous satisfait des contributions de l'Union africaine au processus de maintien de la paix en Afrique? Merci. C'est une excellente question. En ce qui concerne la gouvernance, par exemple, parfois, vous faites un pas en avant, mais ensuite un pas en arrière. Comme cela a été dit hier, lorsque nous avons discuté de la paix et de la sécurité sur le continent, globalement, nous progressons et les statistiques le montrent. Les chiffres l'attestent. Ce n'est pas simplement un programme politique ou un discours politique qui veut que nous devons dire que nous progressons. C'est un domaine très dynamique, il y a des problèmes émergents, ce qui signifie qu'il est particulièrement difficile pour nous de régler ces problèmes qui apparaissent. L'un d'entre eux est bien entendu le terrorisme qui se propage. Différentes dimensions sont entrées en ligne de compte, par exemple l'extrémisme. Ces défis n'étaient pas autant d'actualité il y a 15 ans, par exemple. Donc, si nous progressons, il faut tout de même prévoir de nouveaux outils pour lutter contre les phénomènes émergents. Nous avons déjà dit qu'il ne suffisait pas de faire taire les fusils et ensuite que nous pouvions dire que, en l'absence de guerre, nous avions la paix. Non, il y a des défis latents dans différents pays, certains ont été mesurés. Nous devons aller sur place et les aider. Regardons par exemple le Soudan du Sud. Nous sommes là, aux côtés des Nations Unies. Mais nous l'avons déjà dit, la paix ne peut pas être imposée de l'extérieur. Il faut une appropriation solide au niveau national. Il faut une direction avisée au niveau national. Notre rôle est d'accompagner le système, d'aider à édifier de bonnes institutions. Et c'est ce que nous faisons dans le cas du Soudan du Sud. Bien entendu, vous avez parlé du Darfour. Nous sommes là sur place depuis un certain temps, nous progressons, parfois nous pouvons réunir les différentes parties pour signer un accord de paix, mais il faut du temps. Parfois nous voyons que nous avons progressé, mais qu'un nouveau problème apparaît. Le problème ne vient pas d'un manque de détermination, nous sommes résolus à agir et nous approprions ces processus. Si vous regardez le continent et les efforts qui sont consentis, nous avons même mis au point des outils maintenant. Abdallah a fait référence au financement. Nous avons à présent décidé que l'une de nos faiblesses était que nous n'étions pas assez rapidement présents sur le terrain lorsqu'il se passe un problème en matière de paix et de sécurité. Donc nous avons préparé des mécanismes grâce à des forces de déploiement rapides pour être présents rapidement dans les situations d'insécurité et autres. Nous avons cette volonté d'utiliser les outils existants, mais également de les améliorer. C'est le témoignage de notre volonté d'aller de l'avant. Dans le cadre des partenariats, aujourd'hui, nous disons que nous souhaitons travailler dans un climat de prévisibilité. Si un problème voit le jour en matière de paix et de sécurité en Afrique, nous ne devrions pas nous remobiliser à chaque fois comme si c'était un phénomène neuf. Nous savons que de nouveaux problèmes émergent et nous devons être constamment prêts. C'est pourquoi nous essayons d'établir de nouveaux partenariats, notamment pour affiner quelque peu la boîte à outils dont nous disposons pour améliorer la paix et la sécurité. Merci. Merci, Matthew. Matthew Lee, Intercity Press. Je voulais poser une question au professeur Maloka sur le mécanisme africain de développement par les pairs. J'ai vu différents articles disant que vous alliez redynamiser ce mécanisme, qu'il y avait une charge de travail en souffrance encore sur les examens. J'ai vu ces informations dans la presse. Pourriez-vous préciser quels sont vos objectifs pour que le rapport soit publié à temps en fonction de l'année dont il traite? J'ai également vu certains appels à la publication d'une stratégie à 5 ans sur le mécanisme africain d'évaluation par les pairs pour que l'on puisse prévoir ce qui va se passer. Allez-vous le faire? Et j'aimerais également poser des questions spécifiques par pays, peut-être au vice-président de la Commission de l'Union africaine, au sujet du Burundi.
nous voyons qu'il y a certains problèmes dans les relations entre les Nations Unies et le Burundi, et peut-être même avec les organisations régionales. Le Burundi demande au haut commissaire aux droits de l'homme d'arrêter de travailler sur le terrain. Nous avons vu des problèmes avec des experts sur le terrain. Est-ce que c'est l'approche des Nations Unies qui explique cela? Que peuvent faire les Nations Unies ou la Commission de l'Union africaine pour remédier à cette tendance inversée? Parce que quelqu'un va être isolé de toute façon, soit le Burundi, soit les Nations Unies. Comment faire face à cette tendance? Merci. En ce qui concerne le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, le plan d'évaluation stratégique sur 5 ans a été adopté. Les zones crises juridiques où nous nous trouvions ont été précisées. Le mécanisme est à présent une agence spécialisée de l'Union africaine. En ce qui concerne le mécanisme, il a été lancé par le président Uhuru du Kenya. Nous pensons avoir été à même d'en faire beaucoup ces derniers mois. Comme je l'ai dit, cette année, après plusieurs années de dormance, nous avons pu déjà examiner 2 pays cette année. Nous nous lançons dans l'examen de 2 pays supplémentaires maintenant. Nous avons également établi des missions complémentaires. Donc nos activités sont assez substantielles. Auparavant, nos États membres ne respectaient pas leurs obligations financières vis-à-vis du mécanisme. Aujourd'hui, les États redoublent d'efforts. Lors de notre dernière réunion à Nairobi, les États ont convenu entre eux de la nécessité de renforcer les contributions annuelles au mécanisme. Donc, à partir de l'année prochaine, le financement sera revu à la hausse parce que l'Afrique souhaite s'approprier ce mécanisme africain d'évaluation par les pairs et l'inscrire dans la durée. Voilà certains des signes encourageants. Ce que nous voyons d'ores et déjà, c'est que nous avons ce grand examen auquel nous procédons. Mais cela prend du temps, exige beaucoup de ressources. Nous devons également essayer de préparer toute une myriade d'examens auxquels les États pourraient procéder. C'est ce que nous allons faire sous la forme de projet pilote au cours de l'année prochaine. Notre objectif étant d'en arriver à un stade où, chaque année, tous les États membres du mécanisme africain d'évaluation par les pairs pourraient participer à un examen sur une question ou une autre. L'atout du mécanisme, c'est qu'il y a des bureaux nationaux qui sont financés par les gouvernements, comme je l'ai dit. Il faut des bureaux nationaux dans tous nos États membres, et l'élément clé, c'est d'avoir un conseil de la gouvernance nationale avec les représentants de la société civile. Donc le gouvernement doit proclamer la création d'un bureau national composé de différents acteurs, et ce sont ces acteurs qui sont à la tête du processus d'évaluation au niveau national. Notre rôle au niveau du continent est d'aider ces bureaux, de coopérer avec eux et d'aider bien entendu les ministères en charge du mécanisme. Le processus de revitalisation était effectivement notre intention. Ce processus commence à porter ses fruits, je crois. Merci beaucoup. En ce qui concerne le Burundi et la dernière partie de votre question, vous avez dit que ce que fait l'ONU n'est pas juste, mais nous devons parler d'une voix sur une question comme nous le faisons certainement pour le Burundi. Mais il y a différents problèmes au Burundi. Du point de vue de l'Union africaine et l'ONU, il nous a semblé qu'il fallait un dialogue entre tous les partis. Nous avons insisté là-dessus, tout comme sur la nécessité d'avoir un climat propice au dialogue. Et pour cela, il faut qu'il y ait une intervention, une force d'intervention de police ou autre qui peut garantir l'existence d'un tel climat. Bien sûr, le gouvernement a sa propre prise de décision, et c'est là où nous nous séparons. Et nous avons insisté que tant que ces conditions ne seront pas réunies, la situation ne va pas s'améliorer. Et le mécanisme régional, le travail au quotidien sur la question avec la communauté internationale, nous continuons de persuader le gouvernement et d'insister sur la nécessité de réunir ces conditions préalables, sans quoi le pays ne pourra pas sortir de cette épreuve. Je voudrais enchaîner
En ce qui concerne les missions de maintien de la paix, plusieurs personnes ont dû être rapatriées à cause d'abus d'atteinte aux droits de l'homme. Et lorsque nous posons des questions à cet égard, on nous dit poser la question à l'Union africaine. Est-ce que les personnes qui sont dépêchées dans le cadre de mission de la paix, est-ce qu'on les a interrogées au préalable? Y a-t-il un mécanisme de vérification? Est-ce qu'on les a donc formées? Je ne suis pas au courant d'une méthode de vérification. Il y a un nombre de défis, mais ce n'est pas la vérification, c'est autre chose. Et encore une fois, l'ONU et l'Union africaine travaillent très bien sur le terrain. Al-Shabaab s'est beaucoup affaibli. Nous devons pouvoir terminer, achever notre tâche. Ne détournons pas notre attention de ce problème. Les enjeux sont importants, mais les ressources s'épuisent. Le partenaire principal a été l'Union européenne, qui a ses propres difficultés et qui a réduit considérablement les ressources mises à la disposition. C'est donc le plus grand défi. Donc, il y a un problème de ressources au Burundi. Mais cela n'a rien à voir avec ce que vous avez dit. Et au moment du déploiement, toutefois, ce qu'il faut améliorer, c'est d'avoir des doctrines, avoir des normes et des mécanismes pour gérer les hommes et femmes sur le terrain et faire en sorte qu'ils adhèrent à nos principes. Une dernière question. Pouvez-vous dire quelques mots sur le changement climatique? Car c'est un problème épineux partout dans le monde et cela veut dire beaucoup en Afrique également. La cuisson au bois pollue l'air. Qu'est-ce que vous envisagez, Monsieur Mayaki? Comme vous le savez, l'Afrique se prépare pour la COP 22. Il y a deux questions principales qui sont associées directement à l'intérêt de l'Afrique, l'agriculture d'une part et d'autre part l'énergie. Mais en troisième lieu, il y a l'impact du changement climatique sur l'agriculture africaine, déclenchant une incertitude du point de vue de la sécurité alimentaire. Donc, il y a une initiative d'adaptation au changement du climat en faveur de l'agriculture, dont on discutera à la 22e conférence des parties, associée à Malabo. C'est notre programme de transformation agricole. Nous voulons aider les petits agriculteurs à adopter des pratiques de défense contre le climat. Deuxièmement, l'énergie. Le coût de l'énergie renouvelable baisse pour un nombre de raisons et cela devient un ingrédient clé de notre mélange d'énergie. Et il y a un fonds vert. Il y a eu de nombreuses annonces de contributions au fonds. Et l'Afrique doit venir en priorité en ce qui concerne l'accès au fonds. La dotation du fonds, malheureusement, n'est pas suffisante pour répondre à toutes les aspirations de l'Afrique. Mais en ce qui concerne ce fonds vert, l'une de nos préoccupations principales sera
la question de savoir comment financer l'énergie renouvelable. Ce sera un autre élément important dont on discutera à la 22e conférence des parties. Je remercie nos invités et je vous remercie de votre présence et je vous souhaite un bon après-midi.